Café! Café! Bon, il est temps d'y aller. Donc ici j'ai aubergine et poivrons, j'en ai pas mal. Ici il y a pas mal de tomates aussi, il y a une, deux, trois, quatre, plus une cassette là-bas. Ouais, je dirais 50, 60 tomates. J'en ai autant là-bas, là, dans ma petite pièce, ça va. Et bah, je sais pas ce que je vais en faire. Je dois en mettre chez moi de toute manière. Et puis le reste, le surplus, ça va être donné à des gens, tout simplement. Et puis roule. Voilà, c'est parti pour une longue journée au marais. Faut que je pense à prendre de l'eau, un petit peu à boire, et puis c'est bon, impeccable. Et un chapeau aussi. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, poivrons, aubergines et tomates. Je voulais mettre deux rangées de plus de tomates, mais là, il fait super chaud, je suis fatigué. En plus, j'ai fait un truc auquel je ne m'attendais pas. Donc, j'ai passé la fraiseuse ici. Donc, il y avait plein d'herbes. Donc, là, l'herbe va griller en plein soleil. Et puis, la semaine prochaine, je vais pouvoir commencer à mettre des courges. Voilà. Donc, voilà. Et ouais, là je suis crevé, bien comme il faut. Maintenant je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer ce bordel aussi là. Et puis roule. Voilà, donc bah, ça aussi c'est du rock'n'roll. Samuel, ouais. Pourrais pas fermer un peu ta gueule? Ouais. Tu commences à nous faire chier. Pourquoi? Bah, je fais du potager en silence moi. Ah dis donc, c'est le pire que j'ai vu depuis des années. Il peut pas faire du potager tranquille. Je suis en train de gueuler de l'autre côté. Si vous saviez, messieurs, dames, comme il est chiant, comme il est emmerdant, ah oui, comme il nous fait chier. Oui. Allez. Ouais, messieurs, dames, donc la suite de l'interview. Donc je vous présente Roro, un autre collègue du potager. Alors Roro, qu'est-ce que tu as à me dire? Ouais, je voudrais que tu me fermes un peu ta gueule tout le temps parce que tu t'arrêtes jamais. C'est pas possible, mais merde. À toi. Il y a Jojo là-bas qui gueule aussi. Voilà, je vais aller voir Philippe. Ouais, je vous présente Philippe, donc un autre collègue du potager. Alors, qu'est-ce que tu as à dire de spécial au potager ce matin? Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Ah, bah, je sais, bah, Jojo et Roro, ils m'ont fait la même. Bon, bah, je promets rien. Allez, merci Fifi. Salut mon Fifi, bah, tiens, regarde tes poireaux. Alors du coup, voilà, donc j'ai récupéré ce que je pouvais. Alors effectivement, t'as des tiges comme ça. Et effectivement, sur certains poireaux, bah voilà, c'est dur, tout ça. Mais c'est comme les oignons, ça fait des couches. Et les couches, et bah, ça se récupère, voilà. Donc ça, maintenant, ça va aller au réfrigérateur, au mince congélateur, voilà. Et puis ça, bah, ça c'est nickel pour pouvoir faire des soupes, voilà. Donc, moralité, quand t'as le poireau qui a la tige, ne le jette pas. Ouais, c'est tombé, c'est complètement nul.